Sous le thème « L'énergie et mines, secteur en plein essor, bilan et perspective », le ministère de l'énergie, des mines et du développement durable a organisé mercredi dernier la deuxième édition de la journée Média Ministère à Rabat. Cette plateforme annuelle de débat a permis de rassembler plusieurs professionnels de la presse avec les responsables du département de l'énergie et mines au Maroc, dans le but d'informer l'ensemble des parties prenantes des chantiers lancés par le ministère et ses organismes sous tutelle, des réalisations et des perspectives envisagées à court, moyen et à long terme. La journée média était une occasion de lancer un très bon réseau, donc le réseau des médias concernant l'énergie et le développement durable. C'était une initiative privée, c'est une initiative donc des journalistes, et nous les avons sponsorisés et supportés. Ça permettra d'avoir un véritable réseau qui maîtrise donc l'énergie, qui maîtrise le développement durable. Ça permettra bien sûr d'avoir une communication fluide entre le secteur et les médias et de diffuser la bonne information. Tout à fait normal, l'interprétation est libre, mais la bonne information doit être diffusée aux citoyens, au public, à travers ce réseau. Et bien sûr, elle n'est pas limitative, donc il est ouvert à toutes les bonnes volontés. Cette journée a été l'occasion bien sûr d'évaluer, entre parenthèses, donc les réalisations 2018. Et on a bien remarqué qu'au niveau des différents domaines, que ce soit les hydrocarbures, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, l'électricité et autres, et le gaz et tout ça, donc plus ou moins on a respecté nos engagements et on a de belles réalisations. C'est des montants énormes en termes d'investissement dans ces différents domaines et de la création de l'emploi et de la valeur ajoutée, la réponse à la demande nationale en termes énergétiques, parce qu'aujourd'hui une demande extraordinaire, et ça permettra bien sûr de faire de notre pays une véritable plateforme, si vous voulez, énergétique, tant pour répondre, comme j'ai dit, au marché national, mais bien sûr pour qu'on soit connecté aux marchés régionaux. Bien sûr aussi, ça a été l'occasion de présenter ce qu'on fait dans le domaine des mines et de la géologie, parce qu'on considère que c'est un potentiel très très important à l'échelle nationale et qui mérite une attention particulière. Vous avez bien remarqué les investissements dans ce domaine, avoir un véritable système d'information géologique, donc une transparence importante et une information conséquente pour les investisseurs dans ce domaine. Et bien sûr, énormément de projets dans le domaine des mines, que ce soit les phosphates ou bien les autres mines. Et on a bien montré que dans les années à venir, à commencer par 2019, c'est des perspectives qui sont très, très intéressantes, des investissements qui vont venir en la matière. Parce qu'aujourd'hui, on a une formation qui nous permet de mieux négocier les partenariats avec les sociétés nationales et les sociétés internationales. Aujourd'hui, on était réunis pour la journée de communication assurée par le ministère de l'Énergie et des Mines, ainsi que les différents départements sous tutelle, et les journalistes qui ont favorablement répondu à notre invitation. L'objectif de cette réunion, c'est de premièrement communiquer autour des différents objectifs réalisés au sein de 2018, des autres objectifs ainsi que les projets à réaliser pendant cette année-là, 2019, et assurer cette communication interactive avec les journalistes. Comme vous le savez, le secteur de l'énergie et des mines, c'est un secteur qui est très sensible. Et nous comptons utiliser ce levier communicatif pour assurer déjà l'information, la sensibilisation et pourquoi pas avoir un feedback, que ce soit au niveau des investisseurs, que ce soit au niveau des institutionnels ou même le citoyen marocain. L'ensemble des présentations ont été se sont focalisées sur les projets réalisés, sur les objectifs qui ont été assignés. Et d'une manière générale, nous avons pu s'assurer de la réalisation de l'ensemble des objectifs de façon très favorable. Pour le ministère, il y a eu une présentation de M. le ministre par rapport à la stratégie globale de l'ensemble des attributions gérées, assignées au ministère, mais aussi il y a eu une présentation par le secrétaire général du ministère de l'ensemble des réalisations, que ce soit au niveau des projets législatifs en cours d'élaboration ou
déjà mis en circuit d'approbation où évidemment l'ensemble des objectifs à atteindre, à savoir le système d'information à mettre en place, le système de facilitation des procédures et des octrois des autorisations, les délégations de pouvoir, le renforcement des capacités, mais aussi le suivi des projets stratégiques tels que l'ouverture du marché de l'électricité entre le Maroc et les cinq pays, à savoir la France, l'Allemagne, la Belgique et le Portugal, l'interconnexion d'électricité entre le Maroc et les différents pays voisins, et aussi le travail qui est mené par le ministère, à savoir assurer l'ouverture de la production électrique par rapport aux différents opérateurs privés. L'efficacité énergétique n'est pas toujours visible. Et nous avons voulu montrer par ce film que les actions qui sont des milliers de petits projets sur le terrain, ce n'est pas un grand projet, ce sont des milliers de petits projets portés par le citoyen, portés par l'industriel, portés par une ville. C'est tout ceci qu'il faut accompagner. Et aujourd'hui, quand on parle d'efficacité énergétique, vous l'avez bien dit, monsieur le ministre, nous avons une facture dans notre pays de 7 milliards de dollars. Cette année, en fonction du prix du baril, ça peut monter jusqu'à 10 milliards de dollars, c'est-à-dire on était aujourd'hui à 70 milliards de dirhams. Si on fait 1% d'efficacité énergétique, on parle de 700 millions de dirhams d'économiser pour notre pays. Aujourd'hui, nous avons cette journée de sensibilisation, d'explication à la presse, aux journalistes, aux médias, que dans ce domaine de l'énergie, il y a besoin de beaucoup de sensibilisation. Nous en sommes très heureux. L'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique travaille sur l'efficacité énergétique dans les 5 grands secteurs, l'industrie, le transport, le bâtiment, l'éclairage public, les villes, l'agriculture. Dans tous ces domaines, il était nécessaire d'avoir ces actions de réglementation, des mesures d'accompagnement technique et financière, mais aussi de sensibilisation et de formation. La sensibilisation est très importante, parce que l'efficacité énergétique, ce n'est pas seulement des réglementations ou des nouvelles technologies, c'est aussi des changements de comportement. Et les changements de comportement se font par la sensibilisation, et c'est pour ça que nous sommes très heureux que cette journée ait lieu, pour montrer que ces actions de sensibilisation peuvent être partagées par la presse, mais aussi bien sûr par les citoyens. Aujourd'hui, c'était une belle opportunité de rencontrer plusieurs journalistes, pour ne pas dire presque plusieurs représentants de différents médias marocains, pour présenter sous la présidence du ministre en charge de l'énergie et des mines, monsieur Aziz Rebbah, présenter les activités, ce qui a été réalisé en 2018, et puis également aussi les projets pour l'année 2019 des différents acteurs du secteur de l'énergie et des mines. Donc nous avons été vraiment ravis et puis honorés de pouvoir présenter les réalisations d'IRSN l'année dernière et puis de présenter surtout les nouveaux projets que nous avons lancés. Nous avons notamment lancé la construction de travaux de la nouvelle plateforme de recherche, le Green and Smart Building Park, dédié aux bâtiments verts, aux réseaux intelligents et à la mobilité électrique. Nous avons également eu l'occasion de présenter nos nouveaux appels à projets, programmes de financement de projets collaboratifs pour la recherche appliquée et l'innovation, qui implique plusieurs universités marocaines, centres de recherche, écoles d'ingénieurs et également entreprises marocaines. Et puis des programmes bilatéraux, notamment celui qu'on a lancé avec l'Espagne. Et nous avons également parlé du grand événement qu'on aura cette année, le Africa Solar Decathlon, plus grande compétition étudiantine au niveau mondial, qui regroupe plus de 1200 étudiants, et puis qui vont ensemble concourir pour concevoir, construire en très très peu de temps des maisons intelligentes qui fonctionnent au solaire. Donc ce grand événement aura lieu entre le 13 septembre et le 27 septembre 2019. Et pendant cette rentrée solaire, nous allons proposer plusieurs activités, événements. Il va y avoir la course de voitures solaires, la semaine de l'innovation, la semaine africaine de l'innovation verte, une conférence sur la mobilité électrique, une conférence sur l'intégration du photovoltaïque dans le bâtiment. Et donc pendant plus de 2 semaines, il va y avoir cette compétition, 10 critères d'évaluation
l'innovation, l'efficacité énergétique dans le bâtiment, les innovations technologiques, le confort, plusieurs éléments vont être évalués pour avoir un gagnant. Nous sommes vraiment fiers d'avoir regroupé plus de 54 universités, donc je disais 1200 étudiants, plus de 20 pays et la moitié sont des équipes d'étudiants qui viennent de l'Afrique. Et cette grande édition va être un peu l'occasion de, bien évidemment, de promouvoir le talent de nos jeunes, de promouvoir aussi les différentes solutions technologiques autour du bâtiment, autour de l'utilisation du solaire pour le bâtiment, mais aussi ça va être l'occasion de présenter la nouvelle plateforme, le Green and Smart Building Park, qui sera également finalisée pendant ce mois-ci.